Bonjour à tous, c'est Vincent. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque ce n'est pas un tutoriel. Alors, je ne sais pas comment je vais nommer la vidéo mais je trouverai bien. J'aimerais développer un nouveau concept sur ma chaîne. Alors, puisque vous savez que vous avez dû le remarquer, je n'ai pas posté de vidéo depuis je sais pas combien de temps, depuis assez longtemps. Et tout simplement parce que j'avais pas d'idée. C'est pas que j'avais pas le temps, si j'avais voulu m'y mettre, j'aurais pu largement m'y mettre, mais je n'avais aucune idée. Et je vais pas vous faire une vidéo pour rien vous dire quoi. Donc le nouveau concept est le suivant. Vous me dites, vous, ce que je fais sur ma chaîne. Je m'explique. Vous ne savez pas faire quelque chose sur Minecraft, ou pas sur Minecraft d'ailleurs, hein, ça peut être sur Windows, si je connais la solution, je peux vous aider. Vous me dites, j'essaye de trouver, de vous faire la vidéo, et excusez-moi, et je vous fais la vidéo quoi, et je la poste. Comme ça, ça pourrait éventuellement intéresser d'autres gens qui ne savaient pas faire, et voilà. Ça peut marcher aussi pour si vous avez des maps aventures que vous avez créées ou votre des maps que vous voulez me faire découvrir aux gens, je peux aussi la visiter avec vous en filmant, la présenter. Si vous avez aussi des jeux à me conseiller que je pourrais filmer, ça peut être sympa, donc en gros ça tourne autour de vous, c'est vous qui choisissez ce qu'il y a sur ma chaîne en gros. Donc je sais pas si ça marche, si vous avez plein d'idées, plein de jeux, plein de maps, tout ça, ça peut marcher, ça pourrait être vraiment sympa. Personne n'a d'idée, c'est pas grave, j'essaierai d'en trouver moi-même. Je vais vous donner plusieurs moyens de me contacter. Donc juste quelque chose, remarquez que la monster tower n'a plus aucune utilité puisque vous voyez que j'ai viens de faire exploser tout un tas de mobs et que à la TNT et qu'il n'y a aucun loot. Donc je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça donne avec les dispensers, mais vous allez voir que c'est plus aussi utile qu'avant puisque ça drop pas l'XP en fait, tout simplement. Et puis bon, les dispensers faut les créer, les flèches faut les créer, tout ça. Donc la TNT c'était vraiment bien et puis maintenant ça marche, donc c'est moins cool. Alors, trois moyens de me contacter. Le premier, les messages privés YouTube, ça change pas, vous pouvez toujours m'envoyer des messages privés YouTube. En général, je réponds dans la journée ou dans les deux jours, je suis pas tout le temps connecté, j'ai l'application mail ici qui où j'ai mis mon adresse email de YouTube, etc. Et comme ça, je suis au courant dès tout de suite quand quelqu'un envoie un message ou un commentaire. Donc voilà, vous pouvez me contacter par YouTube, vous pouvez me contacter par mail, donc VINCEENTTT. Ça va s'afficher à l'écran de toute façon, par la magie du montage. Mail c'est plus efficace, c'est mieux puisque vous pouvez m'envoyer les screenshots de vos maps ou des jeux ou vos idées. Si vous voulez plus vous expliquer, c'est mieux que YouTube quand même. Et vous pouvez me contacter par Skype. Alors je voudrais pas avoir 36 000 personnes qui me parlent en même temps, donc je vous le donne quand même, c'est pareil, c'est VINCEENTTT. Donc vous me dites par contre que vous venez de ma chaîne, puisque j'accepte pas tout le monde non plus, si vous venez de ma chaîne, vous me mettez dans l'invitation que vous venez de ma chaîne et je vous accepte. Donc voilà, ça peut être surtout très pratique pour aider les gens, puisque parler par message privé YouTube c'est un peu long, donc sur Skype ça peut être pratique. Donc voilà, donc je vais activer la flèche. Donc j'espère que ce nouveau concept va vraiment fonctionner, que vous aurez plein d'idées et que ça va pas servir à rien quoi. Enfin, que j'aurais pas eu cette idée pour rien. Si personne n'a l'idée, personne n'a rien à faire visiter, il y a des zombies qui sortent maintenant, comme sur toi. Si personne n'a l'idée ou quoi que ce soit, tout simplement, je
je trouverai les idées moi-même, mais il y aura du coup moins de vidéos. Voilà. Donc remarquez que certes les flèches tombent, enfin les loot tombent, pardon, mais il n'y a pas d'XP. Donc voilà, donc ça sert un peu à rien. En tout cas, le bruit des dispensers a été amélioré. Je pourrais aussi vous faire là fréquemment une vidéo sur comment aménager un donjon pour récupérer de l'XP super facilement. Voilà. Par contre, comptez pas sur moi pour faire un tuto sur les mises à jour de la 1.0 parce que j'ai rien compris. Enfin, il y a plein d'objets. J'ai compris à peu près les enchantements grâce à la vidéo d'Arnaud. J'ai à peu près compris les potions grâce à une vidéo qui était sur la pré-release que j'ai trouvée. Mais voilà. Donc sinon, j'ai rien de plus à dire. J'espère que ce nouveau concept va vraiment fonctionner parce que c'est vous qui donnez les vidéos, donc c'est en quelque sorte un petit peu vos vidéos, donc voilà. Bien évidemment, pour ceux qui demandent, oui, je vous citerai dans la vidéo. Si vous avez eu l'idée d'un jeu, etc., je dirais bien que ça vient de vous. Je ne l'ai pas trouvé tout seul, donc je vous cite, je trouve que c'est normal. Et puis voilà. Donc j'espère que ça va vraiment fonctionner, qu'il y aura plein de gens qui auront des idées. N'hésitez pas à m'envoyer des idées, même si vous les trouvez bêtes, ou vous trouvez... Enfin voilà, ouais. N'hésitez pas, ça prend pas longtemps, donc voilà, et puis ça peut faire l'objet d'une vidéo. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, donc on se retrouve pour des vidéos un petit peu plus passionnantes que celle-ci, du moins je l'espère, et puis à plus.